suis content parce qu'on a retrouvé les valeurs de l'équipe du SCO d'Angers, qu'on avait perdu le week-end précédent, donc ça c'est d'abord une bonne chose. Après c'est vrai que bon, cette décision est difficile à accepter dans la mesure où il n'y avait pas hors-jeu et que le but était valable, mais bon, c'est pas grave, je crois que sur l'ensemble du match, les Canets ne méritaient pas de perdre, donc il faut être objectif, on a souffert en seconde période. Et donc le résultat au final me paraît équitable. Un bon match de football quand même. Hein. Oui, j'ai trouvé que c'était alerte des deux côtés avec des styles différents, des caractéristiques différentes pour chaque équipe. Mais en tout cas un match alerte avec des occasions. Non, je trouve que c'était un bon match de Ligue 2 ce soir. Stéphane Moulin, c'était important de vous rassurer relativement vite. Tout à fait, quand on sort d'une déconvenue comme on a subi le week-end passé, il est important qu'au plus vite, il y ait une réaction. Elle a eu lieu, elle nous permet pas de gagner, mais en tout cas, elle nous permet d'empocher un bon point sur un terrain d'une équipe qui pratique un bon football et qui a un gros potentiel offensif. N'oublions pas quand même que c'est la meilleure attaque du championnat. Et donc, compte tenu aussi de tous les absents qu'on a subi cette semaine, je trouve que c'est plutôt bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a perdu trois fois, mais on n'a jamais perdu deux fois de suite. Et ça, il faut que ça dure. Merci Stéphane. Merci bien. Merci.